Le mode Coupe du Monde est enfin disponible et si tu veux te faire plaisir, ça se passe sur IG Vote. Tu peux te prendre des comptes avec directement des crédits dessus. Lien et coupons dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va nickel et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur FUT 18 et il y a du grand nouveau puisque eSport a annoncé et a balancé 4 nouveaux SBC avec 4 joueurs à obtenir plus d'autres joueurs dans chaque défi. Tu fais le défi Europe, tu obtiens Rashford et si tu regardes le SBC, tu as plein de pays, tu en as 14 exactement et pour chaque pays, tu vas obtenir un joueur. La Belgique par exemple, si tu remplis le défi, tu vas obtenir un Benteke spécial, le Danemark, tu vas obtenir un Christensen, la France, tu vas obtenir un Ben Arfa. Et ça, c'est super intéressant. Du coup, on va obtenir les joueurs qui nous intéressent et après, on partira en match. On essaiera de se qualifier pour FUT Champion. Concernant le continent africain, on retrouve Ndidi plus plusieurs défis. On a Kagawa en Asie et au niveau des Amériques, on a Vidal. Vidal qui m'intéresse beaucoup, je le ferai plus tard. Pour le moment, je vais faire uniquement Rashford. Et côté africain, on a une nation qui nous intéresse beaucoup, c'est le Maroc, puisque tu peux obtenir Asaidi, du coup c'est très intéressant. Et c'est cool qu'eSport ait fait ça, après c'est vrai que c'est un petit peu démesuré d'obtenir autant de joueurs d'un coup assez facilement. Mais bon, on va pas cracher dessus, surtout à cette période. Donc du coup, il vous faut remplir tous ces défis pour obtenir le Rashford. On va faire juste la France, je vais vous montrer juste la France. C'est pas compliqué, il faut 11 joueurs français, 80 notes. Perso, j'ai pris que des invendables. Le défi m'a coûté 4000 crédits en tout. En tout, je parle bien sûr de tous les pays, hein. La France, ça m'a rien coûté, j'avais que des invendables. Et moi, j'ai mis des informes, j'ai mis des cartes rouges pour vraiment rien acheter. Du coup, on va se soumettre pour Ben Arfa et on va obtenir sa belle carte. J'ai hâte de le tester parce que Ben Arfa, il n'a pas joué de l'année et pour le coup, c'est assez surprenant de le voir avec une carte spéciale. Concernant le Maroc, il vous faut une équipe à 75 de général et 11 marocains. Donc voilà, j'ai pris des invendables aussi. J'avais Benassi en invendable, Ziyech en invendable et les joueurs argent, hein, j'en avais plein. Du coup, on va pouvoir soumettre et on va obtenir deux nouvelles cartes. Du coup, Ben Arfa plus Asaidi. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se tester Rashford. Hein. Il a une carte énorme. J'ai juste envie de le mettre dans ma grosse équipe parce que j'ai plus R9. Hein. J'ai fait vente rapide dessus comme un bonnet. Allez, du coup, on va soumettre les autres défis. Je vous montre pas. Hein. C'est facile. Il faut faire juste des 11 de nation. Voilà. Après, tu as des notes à respecter. Mais je vous dis, ça coûte vraiment pas grand-chose. Si vous avez beaucoup packé comme moi, ça devrait rien vous coûter. Par exemple, l'Irlande, j'avais tous les joueurs. L'Allemagne, j'avais quasiment tous les joueurs. Il faut quand même 80 de général, je te montre. J'ai mis des cartes, voilà, j'ai mis des cartes spéciales, hein, j'ai mis des cartes rouges qui vont jamais me servir. Du coup, ça m'a gonflé la note et forcément, ça m'a rien coûté. Et du coup, on obtient le Rashford, les gars, on a fini les autres défis. Regardez-moi sa carte, comme je vous disais, c'est juste monstrueux. 4 étoiles du mauvais pied, 4 étoiles en geste technique, une grosse vitesse, une grosse finition. Physiquement, c'est monstrueux, j'ai hâte de le tester et je pense qu'il peut vraiment concurrencer R9. Après, oui, il a quand même une carte moins bonne, mais c'est quand même très très fort. Et surtout, ça coûte rien, donc bon, autant ne pas se priver et se faire plaisir. On est de retour les gars, on va pas partir en FUT Champ en fait parce qu'il y a des conditions, il faut juste une nation, j'avais complètement oublié que ça soit pour les qualifs ou pour la Ligue Weekend, il faudra juste un pays du coup, vu que c'est une hybride, on va partir en match simple, on va tester le Rashford, le Ben Arfa et le Asaidi du coup. J'ai également rajouté le De Ligt, on va tester l'Alana, voilà des petits joueurs qu'on n'avait pas testé, une équipe vraiment colorée, sympa, gare au rééquilibrage parce que là il y a vraiment trop de couleurs et j'ai peur qu'on se fasse enculer. Eh, Rashford, c'est impressionnant, les gars. C'est le point à long que je touche avec, hein. On dirait vraiment un Tots, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ça va d'une vitesse, mon vieux. La petite croisée qui rentre, hein. Je pense que je vais me régaler avec lui. Peut-être pas ce week-end parce qu'il y a des restrictions. Mais les week-ends prochains, si j'ai le courage hein, de faire FUT Champion, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des carnages. Et Ben Arfa aussi, c'est facile, hein. Oh là là, Ben Arfa, c'est facile. C'est facile, les gars. Franchement, ça fait vraiment plaisir de tester ces cartes. Ben Arfa, il n'aurait jamais pu avoir de carte spéciale. Et là, pour le coup, moi, je dis bravo à eSport parce que ça nous permet de tester un joueur qu'on n'a pas pu exploiter vu qu'il a été zéro cette saison. Ah ouais, c'est vraiment fort. Ah, le mec a quitté. Bon, fallait s'en douter. C'est une maîtrise totale. Hein. Là, les joueurs sont vraiment bons. Rashford, je suis impressionné. Hein.
Bon allez, deuxième match, on va jouer contre cette équipe, c'est que des régulars les gars. Après on sait jamais si le mec est bon, mais bon j'ai peur que ça quitte très tôt. Et t'as mis un bouillon à Saïdi, c'est vraiment costaud aussi. Hein. Ah, c'est dommage. Ah ouais, ça blague plus mon vieux. Ah ouais, c'est fort. Hein. Les enchaînements, tu fais des gestes 5 étoiles limite avec le joueur. Franchement, Rashford, faites le direct. Hein. Après, c'est un joueur pute, mais bon, si tu joues vraiment à la cool comme je joue, tu vas te faire plaisir parce que techniquement, c'est juste impressionnant. Putain, le... Allez, encore une régulière. Et là, il faut pas qu'il quitte. Ça serait bien de finir un match, s'il vous plaît, eSport. Enfin, c'est pas eSport pour le coup, c'est les mecs. Parce que là, à ce moment-là, tu joues pas, quoi. Ah, c'est fort les gars, c'est très très fort. Bon là on joue un peu plus sérieux. Rondement mené, Rashford à la baguette, derrière on centre avec Lallana. Et là la frappe de la frappe d'Assaidi. Franchement c'est une équipe sympa, après c'est toujours le même problème, ça dépend contre qui tu tombes. Allez c'est terminé les gars, bah écoutez on va s'arrêter là-dessus. La Coupe du Monde commence là dans un quart d'heure, du coup j'ai pas envie de louper un match, on les retestera dans le week-end là. C'était équilibré, en tout cas on l'emporte, voilà c'est le principal, on aura remporté les 3 matchs en mettant quelques jolis buts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé ces cartes, notamment la carte de Rashford qui parmi les 3 là que je vous ai proposé est la plus impressionnante et de loin. Assaidi c'est sympa, Ben Arfa c'est sympa, après tu sens quand même que c'est en dessous des tots, hein, voilà c'est des petites cartes histoire de, voilà, de tester les joueurs, de s'amuser, histoire de proposer un petit peu de contenu. Bref c'est tout pour nous, trêve de bavardage, place à la Coupe du Monde, je vous souhaite un bon visionnage des matchs. Passez un bon moment, c'est vraiment kiffant, c'est tous les 4 ans. Moi, je vais me régaler, hein, même le premier match, alors que c'est une affiche de merde. Je vais me régaler du coup. On se dit à bientôt, bonne Coupe du Monde et gros bisous.